la rondelle. Il a le C du capitaine sur son chandail. Passe vers Allard au centre. C'est pour Burrush. Tire le but! 1-0 Husky sur un tir parfait du jeune Burrush. Au haut de l'enclave, Claude, il avait réussi à se dégager de la couverture défensive. Il place la rondelle dans la lucarne, c'est 1-0 Husky. Ouais, Daniel Burrush à sa deuxième saison avec les Huskies. Même chose pour l'autre Européen, c'est Jakub Ewer qui est là pour les Huskies. Mais il se retrouve déporté dans le coin à droite. La Serte a laissé à Tourigny le long de la bande, dans l'enclave. Le tir de Cloutier qui a été bloqué, le retour devant. Rondelle, oh, quel arrêt du gardien Couture qui est venu voler le joueur des Cataractes. C'est Jordan Tourigny qui s'amenait en offensive. On tente une passe à la Serte, envoie Tourigny, le tir et le but! Jordan Tourigny. Troisième mention d'aide en deux matchs pour la recrue Félix Lacerte. C'est lui qui est à l'origine de ce but-là, Claude. Il a repéré Tourigny qui était à sa droite et plutôt que de lancer lui-même, il donne la rondelle à son défenseur. Il y avait un trou béant. Tourigny venait de se faire frustrer par coup de C'est le rempart qui a passé à Zonon. Ensuite, c'est Mainville en entrée territoire. La passe au centre, tire le but. C'est Dylan Gill qui redonne l'avance 2-1 au Husky. Presque à mi-chemin en première période. Oui, le Félix Denis s'est fait coincer en territoire central. Et Étier était celui qui devait surveiller Gill. Gill a réussi à se détacher. Claude a reçu une belle passe. Et il a tiré à contre-courant par-dessus la jambière droite de Rémi de la Fontaine. Et il redonne les devants 2-1 au Husky. Oulac en sortie territoire pour les Cataractes. Passe la rondelle à la droite, c'est vers Lacerte. Lacerte au centre de tir, le but! William Veillette fait 2-2 en fin de première période. Oui, et encore une fois, Claude Lejeune, Lacerte qui est au cœur de ce filet-là. Une très belle passe soulevée du revers. Il faut être habile, tu as 16 ans, tu arrives dans le junior, tu es à l'entrée du territoire et tu repères un coéquipier. Tu l'alimentes d'une passe soulevée du revers. Parfaite vers Veillette. Veillette lance. Alors qu'il remet à la ligne bleue vers le défenseur Godet, son tir qui a été dévié. Le retour au début. Et Husky qui réplique rapidement, Claude. Un but marqué sur un retour de lancer de La Fontaine a laissé traîner un retour directement dans l'enclave. Et je pense bien que c'est Allard qui a récupéré cette rondelle et qui l'a poussé derrière de La Fontaine. Il a gagné sa bagarre un contre un avec Rafano Mezantsoa. Dans le coin à gauche, un tir et la rondelle qui se faufile entre les jambières du gardien Rémi de la Fontaine. C'est 4-2, Rouen Randa. Oui, un tir décoché sans avertissement, mais d'un angle très difficile. Tir qui a échappé à la vigilance de la Fontaine, Claude. Et les Huskies prennent l'avance 4-2. Oh, ça se corse drôlement là, pour les Cataractes. Deuxième but sans riposte des Huskies de Rouen Randa. Il n'y a plus de gardien chez les Cataractes et ils sont en avantage numérique, donc c'est 6 contre 4. Dégagement des Huskies à l'autre bout. Rondelle qui va glisser dans le filet. Ça vient terminer le débat. 6-3, Rouen Randa. Dévié sur un adversaire. C'est repris par Veillette. Envoie devant Tourigny qui est venu cogner à la porte. Le gardien Couture étire la jambière gauche et